Bonjour à tous, c'est Cyril et aujourd'hui on se retrouve sur Haute Prisonnière épisode 9, déjà le 9, oh là 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 là. Et aujourd'hui on termine le bloc d'Aliéné, c'est parti. On se retrouve donc dans la partie où nous nous étions arrêtés la dernière fois et on va commencer à faire des petits réajustements et terminer au maximum tout ce qui est à finir parce qu'on a fait plein de choses mais on les a pas terminées. Une des choses qu'on n'a pas fini, c'est la buanderie. Donc on s'y colle immédiatement, parce que ça va devenir critique à ce niveau-là. Cette prisonnière-là, je ne sais pas comment la ramener jusqu'à nous. Ça veut rien faire. Ça ne veut rien faire ici. Donc je suis bloqué. J'ai essayé un tout petit moment, hein, je vous le dis. À part satisfaire peut-être le besoin de cellules qui peut être manquant, comme c'est marqué... Lorsqu'on passe sur elle, je ne vois pas ce qu'on peut faire. Sauf si on passe ça en aliéné, parce que finalement, ça, c'est de l'aliéné. Hein. Officiellement. Donc peut-être que finalement, elle va se trouver avec une cellule qui peut lui convenir. On verra par la suite. Donc ici, on avait enclenché la cantine. Elle avait un sacré fusil d'assaut qui nous avait fait bien peur. Ici, il y a le sniper qui fait le boulot là. Ici, on va essayer de commencer à changer les portes, démonter, et on est fou, on va même démonter celle-ci si on peut. Et même celle-ci si on peut. Le but, c'est faire en sorte que... on y mette des portes à distance, pour éviter vraiment l'intrusion des personnes. Alors là, j'ai une conditionnelle qui a bien lieu ou pas ? Ok, mais je ne vois pas la conditionnelle marquée là. Ouais, je sais pas s'il y a vraiment du conditionnel. J'ai pas l'impression, mais pourquoi pas. En tout cas, voilà. On va faire ça. On va y mettre les servomoteurs. Ici, il va y falloir aussi tirer l'électricité qui va jusque là. Et bien maintenant, il nous faut des petits sous-sous pour terminer cette partie-là. De toute façon, là, ça fait toujours un peu de baston, mais on les a toujours calmés. Ils font une petite hola à chaque fois. Et tant mieux pour nous. Les cuisiniers, on en a combien des cuisiniers? On en a trois, et les trois... Il est où le troisième? Il est où? Admission, tâche, non. Il n'y a pas un moment donné l'endroit pour voir les personnels, voilà. Toi t'es là, toi t'es ici, et toi t'es là. Ok, donc il va nous falloir ici des cuisiniers. On n'a plus de sous, c'est vrai, on n'a plus de sous. Bon, on avance considérablement le temps pour essayer de s'en sortir et voir ce qui se passe légèrement plus tard. Celle-ci, personne ne vient la chercher, hein. Alors on va péter ce mur-là au cas où. Mais j'ai pas l'impression que ça va faire l'affaire. Et ici, on avait pris des aides-soignants, mais on n'a pas fait le déploiement. Donc on prend directement les aides-soignants. Et au moins un par secteur. J'ai envie de vous dire même deux par secteur. Voilà, comme ça, le troisième, il peut se reposer. Il faut un roulement. En espérant que ça passe. Ici, le tuyau, on va le refaire légèrement. Parce que j'ai réfléchi à un autre truc par la suite. Ça va être l'électricité où on va être très embêté. Parce que l'électricité, vu que l'électricité passe ici, on ne pourra pas coller lui ici. Parce qu'il faut qu'il sorte de là. Et là, c'est compliqué. Donc en gros, l'électricité, on va le faire passer là. Comme ce tuyau-là, on va faire passer comme ça. Logiquement, on est pas mal à ce niveau-là. Et le tuyau, bien évidemment, il va falloir faire tout le tour. Sauf que, comme d'habitude, on n'a pas de sous. Donc là, on va laisser faire tout ce qu'il y a à faire ici. Faire passer une bonne partie de la nuit. Je vais probablement faire un cut pour que la nuit se passe plus vite pour vous. Et on verra ce qui va se passer au final.
Là, ça bouge, ça fait les plombiers. Voilà. Ça travaille la plomberie. C'est Oggy les bons tuyaux. Et une fois que ça c'est fait, on pourra supprimer, démolir les petits murs qui sont là. Pour aller au bout des choses. Voilà là-dessus. Celle-ci est toujours pas prise ni quoi que ce soit. Ça m'agace. Ici, il faut que je mette les portes. Si on met pas les premières portes, on peut avoir des petites surprises, bien sûr. Là, c'est pas mal. Vous manquez d'argent. Ah bon? Je ne le savais pas. Je crois entendre un gros boom, mais... Garde armée, il est là. Est-ce qu'elles sont matées en étant ici? Ouais, elles sont encore matées, donc ça va. Donc j'ai eu peur, je me suis dit si elles étaient pas matées, ça m'aurait un peu gêné. Mais si elles le sont, c'est bien. Voilà, comme ça, on est tranquille ici. Tout est sécurisé, ou presque. Il va nous falloir peut-être, de toute façon, vu que les prisonnières, je vais peut-être mettre des gardes ici. Le sas là, pour moi, il faut qu'il y ait quand même du monde et j'ai mis pour l'instant personne dans ce sens là. Et même là, j'ai pas de porte à première vue. Ouais, c'est bon. C'est juste que la douche était mal fichue. Donc une fois que les gros tuyaux sont mis, on y mettra les petits. Et une petite fois que là, on a fait ça, on va aller jusqu'ici. On va enclencher directement les tuyaux. L'électricité, comme ça on y verra plus clair lorsque tout sera fait là. Voilà. On reprend vite fait cette nuit parce que j'ai vu, comme souvent, une petite évasion. Voilà, classique. Et en plus, elles se tapent dessus. Oh, elles sont sauvages. Oh là 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 là. C'est, je dirais pas insupportable, mais un tout petit peu quand même. Elles osent se taper dessus en cadeau. Bon, elles restent ici à proximité. Hein. Donc on reste. Globalement tranquille, il y en a une ici aussi. Oh là 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 là. Heureusement qu'on a mis le sniper en haut, hein. Sinon on avait vraiment l'air bête. Donc là, de toute façon, on va tout faire pour supprimer le tunnel. Non, c'est pas ça, c'est retirer les tunnels. Idem ici. Je pense qu'on n'avait rien d'autre là. On va profiter de faire ça aussi et voir quand est-ce que le trou sera fait. Heureusement que le sniper est là. Oh, heureusement que les snipers sont là. Ceux-là, ils vont commencer à trouver des tunnels partout, hein. Du moins partout où il y a des problèmes. Voilà, de toute façon, tu vas te faire choper par le sniper. Voilà. Que dire? Que dire? Si je fais ça, j'ai pas les sous. J'ai pas les sous pour faire ça. On va au moins faire l'intérieur. Et on a la même chose à faire en haut. Parce qu'en haut, il y a aussi des trous. Ah, oh, ça va être dur. On va essayer de calmer un tout petit peu la pression. On va changer, on va faire un petit changement. Les deux salles de conditionnel, on va les passer en salle de parloir. On va leur proposer d'avoir des petites sessions ici. Toi, t'es connecté, toi aussi, toi aussi. Là, j'ai pas mis de porte, mais j'ai pas les sous pour les mettre, les portes. Ok, en tout cas. Et je pense que là, c'est que la partie visible de l'iceberg. Et que la partie invisible de l'iceberg. Il n'y a pas de cellule adaptée. Mais t'as besoin de quoi comme cellule, ma petite dame, là? Oui, pardon, excusez-moi. Tellement d'enthousiasme. Je vous dis, j'ai cherché pendant un long moment. Mais elle voulait pas. Elle voulait pas. Et là, par coup de chance, on va dire. Par coup de chance, ça veut. J'ai envie de dire merci. Merci l'aide-soignant qui a réussi à faire le travail qu'on lui a demandé depuis tout à l'heure. J'ai eu peur qu'elle décède surtout, hein, qu'il lui arrive malheur à la petite dame.
Il y a encore une évasion ici. Il a tiré à côté, lui. Bah, franchement, il est pas doué, il tire à côté. Voilà. C'est quoi cette histoire-là? Il est pas capable. Eh, je croyais que c'était un tireur d'élite section, mais que dalle, en fait. Il rate ses coups. Fond insuffisant. Oh là 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 là. Ouais, ça, ça me fait peur, celui-là. Kiki qui est mort encore. Voilà. Ouh, c'est un légendaire qui est décédé en plus. Attendez, attendez. Parce que là, ça commence à être un peu inquiétant. Bah, la légendaire, elle est cramée. Ça va être un peu plus calme peut-être pour elle. Et ce qu'on va faire surtout, c'est gérer les informateurs. Non. On va essayer de gérer les informateurs pour... je vais pas dire tricher, mais... Pour les mettre un tout petit peu mal, ces petites filles, ces petites dames. Parce que plus il y aura d'informateurs, plus ils se tireront dans les pattes, peut-être. Plus je serai tranquille. C'est de la triche, hein. Je vous dirai pas le contraire, c'est de la triche, de la pure triche. En termes de porte, est-ce qu'il y aurait pas une sacrée porte à mettre? Une robuste barricade capable d'arrêter des camions lancés. Fermé seulement pendant les verrouillages. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas si ça aide vraiment ça. Ouais, de toute façon, d'appeler les budgets, ça vaut 10 000. Hein. On a un peu de sous, mais pas à ce point-là quand même. Et j'ai aucun gardien qui est là pour s'en occuper. C'est bien sympa, mais ça serait bien qu'on s'en occupe quand même. Donc là, de toute façon, ça va prendre son temps. Ici, en fait, ce que j'ai pensé aussi, c'est que normalement, dans la partie exportation, ou dans les objets, je crois qu'il y a un truc qui s'appelle le scanner. Donc, c'est à mettre dans les zones de livraison et de stockage. Et ça a comme effet de vérifier tous les objets qui passent. Et je pense qu'on va devoir le mettre et qu'on essaiera de le mettre très rapidement pour essayer de, bah, de vérifier tous les objets qu'il y a, quoi. Toi, tu veux quoi? Démoulis quelque chose? Bah, vas-y, fais-toi tirer dessus. Pourquoi tu tires dessus? Et toi, Marquinhos, là, tu veux pas y aller? Non, mais il est pas capable de tirer dessus. Franchement, c'est quoi ce genre de sniper? Niveau de sédatif, très bien. Voilà. Oh là 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 là, mais quelle catastrophe. Mais des fois, c'est catastrophique. Ah, je me plains pas assez, hein. Moi, je trouve que je me plains pas suffisamment. Démolir inter, démolir mur. Démolir le mur ici pour faire ça propre. Voilà. On n'avait pas fini les tuyaux ici. Ouais, je sais. Ils ont pas le temps de faire un truc d'évasion que il y a déjà d'autres problèmes. Voilà. Regardez, il y a encore ça de fait. Elle revient tranquillement, comme si de rien n'était. Tranquille. Pourquoi pas, faites votre vie, on dira rien. Là-dessus, jusqu'ici, comme on dit, tout va bien. Le déploiement, je crois que j'ai oublié des tout petits trucs ici. Là, le déploiement, il était ouvert ici. Bien sûr, et ici surtout, il faut qu'on dise que c'est un accès interdit pour les gens. Donc il faut qu'on essaye de fermer là. Donc de toute façon, on va aller au moins jusqu'ici. Et tout ce secteur-là, il sera probablement un jour
fermer. Je ne sais pas de quelle manière, mais on le fermera probablement. On va pouvoir fermer le grillage aussi. Voilà. On fait cette partie-là. Moi, franchement, ça me fait peur parce que quand on voit ça, on sait très bien ce que ça veut dire. Parce que là, il y a des gens qui vont... Elle, elle a été satisfaite de la famille, ça c'est bien. Porte ouverte. Pourquoi t'es là, toi ? Là, pour moi, t'as même pas besoin d'aller là-bas. Ce qui est bien, c'est que dans les dortoirs, ça a l'air de... Du moins, dans la buanderie, ça semble travailler. Ça, c'est bien. Ça se tape dessus, toujours. Toujours en train de se taper dessus. Ici, on va enchaîner avec, malgré tout, la chaudière. Car elle va devenir indispensable. On est automne ou hiver ? On était en hiver, en plus. Donc clairement, elle se l'écaille. Et se l'écailler, c'est jamais agréable. Ah, je vous propose quelque chose de passionnant au menu. Les tuyaux de canalisation. Toi, tu vas aller jusqu'ici normalement. Voilà. Et si vous arrivez à faire tout ça, vous serez plutôt pas mal, les garçons. Et encore, il faudrait qu'on mette aussi ces tuyaux-là. Les douches, elles sont ici. Ça veut dire qu'il faut qu'on parte là. Là. Là, j'ai vu un truc qui me plaisait pas, là. Elle nous a piqué un sniper. Elle nous a piqué un sniper, quand même. Qu'est-ce que c'est encore que ça ? Ok. Un incident survenu dans une autre prison a mis en évidence certaines failles de sécurité lors des visites des familles de prisonniers. Toutes les visites doivent être interrompues le temps de l'enquête. Vous avez 2 heures pour supprimer les parloirs. Ouais, franchement, alors, sauf si je me trompe, est-ce que c'est les objets parloirs ou est-ce que ce sont les salles de parloirs qu'il faut? Si on fait ça, il se passe quoi? Oui, ça passe. C'est triché, mais ça passe. Et s'il y a quelque chose qui se fait avec, tant mieux. On dira tant mieux. Par rapport à ici, on y mettra une porte au moins simple. On pourrait mettre une porte juste en face. C'est pas déconnant de mettre une porte juste en face. Ça prend, on mettra des cellules là, des cellules là, des cellules là. Psychiatre et tout ça, ici, c'est bien. Et on verra si on a besoin de modalités supplémentaires ici. Ce n'est pas certain. On ait déjà besoin de tout. On verra tout ça. Les tuyaux ici sont mis, mais pas l'électricité. Si l'électricité, il est mis. Ça qui manque pour qu'on puisse avoir un système assez propre là-dessus. 5 000 $. On va de toute façon tout faire. Là, on n'a plus besoin de... Alors, le plus besoin est un peu exagéré. On a encore besoin de petites choses, mais c'est pas transcendant. On va juste cloner toi ici pour qu'on puisse mettre à côté les détecteurs de metals ici. Là, on a juste oublié de mettre un truc qui reste important pour elle. La cour. Oui, la cour. Ça va changer beaucoup de petites choses, ça. Les alignés ont droit à la cour, tout de même. Ouais. Et le déploiement ici, il est bloqué, il est bloqué. Il est bloqué ici. Je vois que la porte ici, je l'avais pas mise encore. Donc
celle-ci, elle est indispensable. Et le reste a l'air pas mal. Voilà. Vivement qu'on fasse une fouille de tunnel. Donc dès qu'appartement G, on fait une belle fouille de tunnel parce que là, ça m'a... Quand on voit ça, clairement, il y a un guiche sous roche. Hein. Il y a gros problème qui nous attend. Toi, t'es toujours là. On t'a toujours pas vidé ici ou supprimé ce tuyau là. Ok, on va remettre la petite clôture. Juste lui suffit. Logiquement. Oh, heureusement. J'ai cru qu'il allait être bloqué. Voilà. Donc toi, dès que tu vas être prise en charge, on pourra être tranquille. Parce que toi, t'es capable d'y aller. Alors, qui va me la ramener, celle-ci ? On va la laisser, hein, c'est pas grave. Hein. Ça m'inquiète un peu, mais on va la laisser. Pareil, là, le déploiement, vu que tout est ouvert... Le problème, c'est que ça passe comme dans du beurre. Ok, il manque encore un petit mur ici. Ici, on va mettre une petite porte de service. On va mettre une petite porte de service. Ça va permettre d'isoler celui-là, d'isoler celui-là. On aura l'isolement plus ou moins de ce gros bloc par la suite. Et là, on a déjà une bonne partie d'isoler, sauf ça. Mais en tout cas, on ne sera pas très loin d'avoir tout fermé. C'est surtout ça qui compte. Il manque de l'argent. Bah, je sais. Et on est bien embêté pour ça. Il est l'heure du repas. L'heure du repas, on dit une fouille de tunnel. Principalement ici. Et là, on commence à pleurer. Un tunnel. Un seul ? Un peu, un petit paquet de clopes, un peu d'alcool, pourquoi pas. Ah, franchement, j'aurais cru plus. Oh, on peut penser que c'est un soupçon d'émettre, mais finalement, non. Trop peu de violence pour une émeute, ça. En tout cas, on a réussi à économiser un tout petit peu. Et je pense que dans la matinée, on fera une nouvelle fouille de tunnel parce qu'on n'a rien trouvé, hein, clairement. C'est bon, c'est calmé. Elle est calmée, c'est très bien. Là, c'est encore des tunnels cherchés, fouillés et tout ça. Et donc ici, on en est où? Ça sert à rien, de toute façon, on a plein de tunnels qui ne trouvent pas, donc à partir de là... On reste fortement embêté. Les radiateurs. Les radiateurs, on va les mettre ici au minimum. Et voir ce que ça donne déjà. On va mettre aussi radiateur. Voilà, on a un tout petit peu les médicalisés, on va en mettre un ici, et on devrait être pas mal, on trouve de ces choses, je ne sais pas comment elles font, mais elles trouvent de ces choses. Est-ce que on peut mettre un scanner et tout ce qu'il faut avec? Donc c'est moniteur plus scanner, il faut 2000$ pour mettre ça. Et je pense que ça serait très bien si on pouvait les mettre. Parce qu'au moins ça nous épargnerait potentiellement des... du bon, on verrait un tout petit peu plus d'objets. Regardons ce qu'il faut. Ça doit être quand on zoome ici... Un moniteur pour qu'un garde puisse repérer des objets qui passent en contrebande et qui doivent
être connecté à un scanner. L'aptitude d'un garde à repérer de la condom est liée à son état de fatigue. C'est bien. Alors imaginons, on met ça ici. Le scanner, il doit être où? Une machine destinée aux zones de livraison et de stockage qui scanne les caisses en bois pour rechercher des marchandises de contrebande. Doit être connectée à un moniteur pour qu'un garde repère la contrebande, l'aptitude du gardien, machin, 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 machin. Alors moi, j'aurais tendance à mettre ça ici. En fait, je me demande si on met ça là. En gros, en fait, idéalement, ça serait ici, il faudrait le mettre. On met le gardien où on veut, hein, finalement. Mais on va mettre ça ici. En fait, la question, c'est est-ce que si on met des objets ici, est-ce que les objets vont bien être transférés de l'un à l'autre? C'est ça la question que je me pose. Si oui, on est bon. Hop là, on va faire ça. Et les scanners, on va mettre là. On va faire ça comme ça et voir ce qui se passe. Pleine nuit, fouille de tunnel. On n'a pas de sous. Ouais, on sait qu'on n'a pas de sous, mais... Ouais. Voilà, oh là là, oh là 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 là. Eh ben voilà, on n'a pas les sous. Mais on a réussi à le choper juste avant. Parce que là, on commençait à se rapprocher fortement de la sortie. Et ils sont allés à 5 pour le faire quand même. Bien joué. Bien joué les filles. Du travail de pro. Première vie, il y a eu que ça ici. Là, rien. Là, rien. On n'a plus de sous, donc on laisse passer comme ça. Il est 4h du matin. Toi, le scanner, il te manque un tout petit peu de jus. Ici. Moi, lui, il est indispensable qu'il soit mis rapidement afin qu'on puisse fouiller tout ça. Voilà, c'est ça que je craignais qu'à un moment donné. On ait un petit tunnel ici. Il faut que je mette un sniper là pour qu'il puisse faire cette zone là. Et par conséquent, lui, il faudra même que je déplace potentiellement pour faire une zone un peu plus large. Mais ça, il faudra qu'on les recase au fur et à mesure. Hein. Rien que là, si on fait déplacer, qu'on déplace ici. Une division. Ah non, ici il n'y a pas grand chose. On va rester ainsi. Trop compliqué si on essaie de les caser. Il nous faudra plus de snipers plutôt. Ici il manque un docteur. Ici il me manque un docteur là. À toi ici. Voilà, sniper qui calme la petite dame. C'est très bien. Toi, c'est pareil là-bas. J'ai pas refermé le trou ici. Et logiquement, on va trouver 3 ou 4 tunnels. Ici, c'est mis et j'ai pas relié lui. Est-ce que maintenant tout va être scanné ? Ce qui est bien, c'est que là, il y a un scan quand même qui fait des objets qui étaient déjà dans l'entrepôt. Ça, c'est pas mal. Oh là 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 là. Encore plein de tunnels. On va pouvoir les virer. Là, à ce niveau-là, il va falloir aussi que je fasse un, des cellules d'isolement pour aliéner. Des cellules d'isolement d'aliéner. Donc là, on avait fait un truc assez, comme ça. Ici, il va nous falloir des psychiatres. Il en fallait 2.
Ils nous disent qu'il faut des bureaux de psychiatres. Il nous manque un canapé ou un canapé en cuivre. Voilà. Ça déjà on avance un petit peu, on va voir s'ils arrivent à faire un petit chouïa de psychologie tout ça. Et voir ce qu'il se passe derrière. Ça on verra comment on le fait. Là, on a encore beaucoup de boulot ici, hein. Pas un malheur. Ouais, non, mais ça avance. J'ai bien envie de vous dire que ça avance et qu'ici c'est propre. Qu'ici ça a l'air d'être propre. Là, il y a un peu de grabuge, mais ça passe. Et que cette partie-là, on va surtout les libérer parce qu'elles n'ont pas ce qu'il faut. Où est-ce qu'on va pouvoir faire l'isolement de celle-ci? Faire ça ici. On va mettre les ampoules parce qu'elles vont être aussi nécessaires. Ouais. On n'a même pas encore attaqué la cuisine, vous imaginez un peu. Et on y est depuis un petit moment, hein. Mais en tout cas, voilà. Bah, en fait, on perd beaucoup de temps avec les tunnels. Ça, c'est indéniable. On a quand même 30% d'impôts. Oh, alors, attendez, c'est pas là. Dégrèvement mon impôt. On passe à 15%. Ouais, faut qu'on le fasse, ça. Faut qu'on le fasse parce que ça nous coûte un bras. À première vue, si on recrute les 10 psy les deux psychiatres avec leur bureau, on est bien. Donc, mets vite le bureau et on fait la subvention, du moins, on fait la recherche pour ça. Donc, ce que je pense, c'est. Alors, deux possibilités. Non, on va le faire ici, je pense. On va faire quelques cellules d'isolement spéciales aliénées. Comment ils nous les font, les cellules d'isolement aliénées? Moi, je serais partant de mettre ça ici. Ça là. Après, on n'en a pas besoin de 36 000. 1, hein. 2, 3, 4. Ouais, on peut en mettre 4. On va faire ici des fondations par la suite. On devrait être plutôt pas mal là-dessus. Et on devrait avoir cette subvention-là qui va nous aider. On fait les impôts parce que finalement, ça nous coûte un bras pas possible. On fera même peut-être paradis fiscal par la suite parce que là, tomberont à 1%. Et le paradis fiscal va bien bien nous aider. Hein. Franchement, olé, olé, on l'a eu la subvention. Très bien. On fait dégrèvement d'impôts, déjà, on va gagner plus de sous encore. Et pensez à le faire. Hein. Franchement, moi je viens d'y penser que maintenant, mais j'aurais dû y penser bien avant. Attends, si on fait ça là. On fait ça là. On fait ça ici. Ça a l'air pas mal. Comme ça, il va creuser le trou tout seul. J'ai pas besoin de lui dire. On a 4 cellules d'isolement pour l'instant et on verra si on en fait d'autres par la suite. Voilà, en tout cas, là, ça se passe bien. Les 15 000, on les a déjà perdus. On va pouvoir lancer une nouvelle subvention si on peut. Les familles nous posent problème. Oh, maman. Conditionnel, il n'y en a pas. De toute façon, ici, après, on a tout bloqué. Elles ont rien droit de faire, sauf qu'on peut faire un peu de psychiatre. C'est des sessions de combien les psychiatres? Bureau de psychiatre doit avoir un canapé, session d'1 heure, détenu criminel aliéné, place assise nécessaire. Pourquoi ils disent qu'ils ne peuvent pas, doivent être escortés par des gardiens, les détenus doivent être parfois pour aller à ces séances. Il y a le canapé, il y a tout, je vois pas qu'est-ce qu'ils ont comme problème en fait. Logiquement, si je lance ça,
pas de créneau horaire, mais les aliénés. Temps libre, ok, d'accord. Repas. Déjà, ils ont un repas en trop, je crois. Ça, c'était pour la subvention où ils avaient des gros repas. Donc, on va faire ça, comme ça déjà. Ils mangent le matin, ils mangent le soir. Ils se douchent le matin, ils se douchent le soir. Le matin, il faut de la cellule. Et l'après-midi, un petit peu de cellule. Ouais, on peut imaginer ça comme ça. Ouais, et je pense que ça va même peut-être les calmer un tout petit peu en pression. Si on a ce fonctionnement comme ça. Parce que là, on a presque l'impression d'être au bord de l'implosion. Hein. On va voir avec un peu de détente ce qu'il se passe. Donc si je me souviens bien avec la subvention qu'on avait, on était à ça, élevé. En termes de besoins, elles étaient, la nourriture, elle était contentée. Clairement, elle était contentée. Donc je pense qu'on va laisser ça comme ça. L'hygiène, c'est une douche. Et la douche, elles l'ont déjà. Je leur ai pas interdit de doucher elles, hein, donc pour moi, elles peuvent toutes se doucher sans problème. On va faire vite fait ça. Non, c'est où? C'est là. Et logiquement, on va jusqu'ici. Et après, on partira de toute façon de l'autre côté pour faire l'autre côté. Lorsque ça viendra à ce niveau-là. Et je comprends pas en fait leur niveau de priorité parce qu'ils partent d'un côté, ils partent de l'autre. Toi, tu vas faire les tuyaux, tu fais le tunnel très bien. Voilà. Et normalement, voilà, là, ça va rediminuer. Et j'ai l'impression que personne ne se douche. Ok, parce que c'est pas l'heure d'aller se doucher, d'accord. Ouais. Les psychiatres, on va faire deux sessions en parallèle. Les programmes. Voilà. Deux programmes comme ça, c'est très bien, pas plus, ça va déjà nous coûter cher. On va voir par la suite. Bien évidemment, j'ai oublié de prendre une subvention supplémentaire ici. Trouver 10 stupéfiants illégaux. Alors ça va être une... J'avais même pas fait gaffe qu'on l'avait. Voilà. Et pour moi, c'est retirer nettoyage d'outils qui m'embête. Je ne sais plus comment on fait. Et ça m'embête très très fortement. Capacité carcérale, ça c'est pas pour de suite. Et réhabilitation, obtenir 100 détenus réhabilités. Après, la libération, ça, c'est pas pour de suite non plus. Voilà, en tout cas, on va s'arrêter dans cette fin de journée. Et on a, je pense, bien progressé parce qu'on a quasi fini le bloc d'aliénés. Hein. Il nous reste la cantoche à faire. Ça, c'est pas le plus évident. Le chauffage aussi à terminer. Ça ne devrait tarder. Je crois qu'on l'avait mis ici. Hein, où on voulait le mettre là, le radiateur. Exactement. Et normalement, toutes les commodités devraient y être pour les rendre autonomes. On fermera, on mettra un petit peu de gris-gris autour pour que ça soit assez propre. Et logiquement, on devrait être tranquille. Ici, il n'y a pas d'excédent. Là, on a encore des petits tunnels, mais c'est pas grave. Et on a mis le scanner qui va permettre peut-être de réduire un petit peu la contrebande. Ce que je vais peut-être mettre à un moment donné, c'est des chiens ici. En fait, ça, je mets souvent ça, c'est des chiens dans le spot de livraison. Comme ça, ils tournent et ils sentent un peu tous les produits. Ça permet de réduire encore les produits de contrebande qui rentrent. Parce que si on regarde la quantité de produits, voilà, il y a une perceuse qui a été trouvée, des marteaux. Là, on est fusil d'assaut, pelle et machin. Fusil d'assaut, machin. On voit des trucs qui font peur, hein, clairement. Il y a des choses qui font très très peur. Voilà en tout cas comment va avancer l'épisode. Et je pense que dès qu'on arrive à faire un peu d'économie, et donc la subvention, le dégrèvement d'impôts va bien nous aider,
mais on pourra vraiment se projeter sur une nouvelle île ici qui vaut quand même 80 000. Et je pense qu'une seule faudra, ça suffira peut-être pas, il en faudra deux. Donc j'en prendrai une ici et je prendrai les deux d'ici pour faire en fait tout un bloc comme ça, avec les moyennes de sécurité, les basses sécurités. Et ici, il y aura peut-être des commodités supplémentaires. Voilà un peu les projections dans le futur, mais nous n'y sommes pas encore. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous, commentez, partagez, likez bien évidemment. Je vous dis à la prochaine, c'était Cyril. Ciao, bye bye!